Chaque jour, des gens disparaissent. Mais tous ne sont pas le fils du vice-président des États-Unis. Et tous n'ont pas disparu sur le territoire de tribus cannibales. En 1961, la disparition de Michael Rockefeller fut le point de départ des plus importantes recherches jamais menées pour un seul homme dans l'histoire américaine. Ok, c'est parti. Nous voilà à Suva, centre-ville. Premier jour des aventures vidéo de Mandy. Là, on est devant l'aéroport et on attend Bijou qui arrive de Sydney. Hey, Bijou! Bijou, je suis là! Hey! Mandy! Allez, allez, vite! T'es mal garée. Fais-moi un bisou. Allez, grimpe. Passe ton sac par la fenêtre, là, derrière. Allez, tiens. Tiens, prends la caméra, faut que je bouge la voiture. Fais voir. Tu sais que t'as vraiment changé. Ah ouais? Ouais, j'ai même failli pas te reconnaître. C'est comme si d'un coup, t'étais devenue une femme. Ouais, enfin, ça fait quand même un petit moment. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Je sais pas, 6, peut-être 7. Alors, tu joues toujours dans ton groupe? Eh, ma poule, je t'ai carrément ramené le CD, dédicacé et tout. Bon alors, tu t'éclates avec qui en ce moment? Un petit peu avec tout ce qui passe. Tu sais bien comme je suis, du moment qu'ils sont propres. Tu fais toujours du surf? Ouais, mais plutôt sur le net en ce moment. Franchement, c'est trop cool que tu sois là. Bon, alors voilà, deuxième jour. Comme vous voyez, il fait super beau. Et là, c'est ma pote Mandy, facilement reconnaissable à ses abdos de déesse. Hey, bijou, j'en avais des comme ça à une époque, avant que je rencontre l'amour de ma vie, monsieur Jack Daniels. Ouais, vas-y, Makai, sprint! On s'est rencontrés à Bali. En fait, on se retrouvait souvent en train de vomir derrière les mêmes bungalows d'Uluwatu. Alors, c'était bien? Ça manque un peu de vagues. Je me disais aussi. Je vous fais quelques plans des spécimens locaux, au cas où vous seriez branchés par le type adolescent imberbe et palichon. Ah, tiens, voyons voir les filles. Oh, si c'est pas deux jolis spécimens d'américaines élevées au lait de vache, ça. Oh, sérieux, sur une échelle de 1 à 10, le potentiel drague de cette plage doit avoisiner les 1, peut-être 0,5. Ah, là, on a deux spécimens typiquement roast beef. Le crâne rasé, le petit tatouage, et vas-y que je me la joue Robbie Williams avec le pot de faire-valoir derrière. Oh, le caleçon vert, c'est la faute de goût. Oh, je lui ferais bien des papouilles à celui-là. Ah, d'accord. Bon, au moins on va faire connaissance. La magie des Fidji. Ça serait bien que tu me dises pourquoi tu m'as fait venir. Comment ça? Pourquoi est-ce que tu m'as dit de venir? Attends, pourquoi tu me demandes ça? Figure-toi qu'au départ, moi je pensais que ce serait un trip entre nous, entre nanas. Vu la manière dont tu m'as présenté les choses, j'imaginais pas que t'aurais un petit copain avec toi. Mais c'est pas mon petit copain, c'est juste... Écoute, tu peux dire tout ce que tu veux. Si ce mec te saute tous les soirs, petit copain ou pas, pour moi c'est du pareil au même. Bon, je vais le chercher. Vous m'attendez dehors, ok? Alors, Mikey, voyons voir. Ah, alors, à tous les coups, c'est lui. Allez, on se lance. Mikey? Hey, Mikey! Je suis de Canberra! Ah! Alors c'est toi, Colby? C'est cool de te rencontrer, mec. Tu ressembles vachement à ton frère. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Ouais, mais là, c'est tellement ressemblant que c'est limite flippant. Bijou! Waouh! Ouais, c'est Mikey. Salut, Mikey! Ravi de faire ta connaissance. Deux semaines ensemble et pas une seule engueulade! Oh non, mate-moi ces deux-là! Attends, faut que je les filme, passe-moi la caméra. Ouais, tiens, vite. Voilà, attention, doucement. Regarde avec le zoom. Ouais, c'est bon, je l'ai. Alors, ils sont chauds, ils se font du rentre dedans, fais voir.